Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec le chaos x10 en réclant dans l'Empire Mortel et tout ça. On a repoussé encore sans grande difficulté au final avec Balthazar. C'est vraiment l'armée MVP qu'on a construit. On a quand même fusionné pour éviter de trop en perdre. Et normalement, il devrait être full quasiment. On va essayer de prendre un petit. On va recruter sûrement un seigneur qui va capturer ici, qui va recapturer en fait tout ce que le chaos a rasé pendant que Balthazar va clean en fait la zone simplement. En essayant de résister. Est-ce que moi je récupère l'empire bretonien? Je sais pas. Je suis pas sûr. Est-ce que Exoat survit? Bah écoutez, il a recommencé à faire quelques armées, voilà, hein, il a commencé à dire c'est bon, ça suffit. Tempt me not. Donc pour l'instant il survit, espérons qu'il survive longtemps, simplement, voilà. Souhaitons lui une réussite. Alors, ici par contre je dois attaquer. Je dois attaquer ça, ou ça. Ça. Parce que c'est des hommes bêtes. Les hommes bêtes, c'est plus facile à tuer avec des chasseurs. Et après, je vais aller me cacher à Nuln. Pendant ce temps-là, je vais essayer de bait cette armée à l'attaque sur Balthazar. Il va sûrement être rejoint par une armée en courant, un truc comme ça. Alors, je me suis fait assiéger ça, mais il a décidé de pas attaquer directement. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, et peut-être qu'en supprimant ça, plus d'armée d'hommes bêtes. Ah oui, non, mais en fait, j'ai même pas besoin de la faire réellement, voilà. Que dit le jeu si j'attaque cette armée, là? Bah, petit 17% dit. Bah. Non. Toi, peut-être. Honnêtement, c'est l'armée ultime, donc elle mérite quand même le petit 17%. C'est vrai que j'ai bien envie de l'attaquer. Maintenant, il rentre dans ma... Quoi? Ah, je n'ai fait que le repousser, je ne l'ai pas tué entièrement. Comme c'est dommage. Hunters. Ah, il me dit que si j'attaque ça... Ah, oh, puis je fais quasiment pas de perte de mon côté, je crois. Voilà, une Rexguard et un Albardier, ça se fait vite, ça. Du coup, je peux aller là et recruter un Albardier de nouveau et une Rexguard. Je sais que j'ai pas le droit à l'Alba. Merde. Il a écrasé... Ah, le casse-couille. Ça m'étonnerait que là-bas on se fasse pas emmerder, donc on va casser là. Et du coup avec Balthazar, on peut achever ça vite fait. Hein. Ça nous enlève un poids. Donc on continue de se faire de l'argent là-dessus, ça c'est cool. Je vais éviter de prendre l'anti-reconstitution cette fois. Et je vais aller par là. Donc normalement, ouais, je devrais être quasiment full. En tout cas, ça me mettra assez bien pour visager plein de trucs. On va... Ah tiens, allez, lui, il rentre à l'intérieur. Tac. Fervent, tac, tac, tac. On sait jamais si on en fait quelque chose de l'armée. Et lui, son but, ça va être de capturer ça. Voilà. I cannot follow this order. Et là, je vais voir si... Peut-être que lui va survivre, peut-être qu'il ne va pas survivre, je ne sais pas. Je suis à moins 3000 quand même, hein, par contre. Hein. Ouais. Alors, on va essayer d'aller capturer ça là-bas. On va se mettre en embuscade dans la zone. Alors, on vient de découvrir qu'apparemment, il y a un château de... De comment...
De la Bretonie ici. Bah ouais, ouais, c'est... ça peut arriver. Praise be to Sigma. Maintenant, qu'est-ce qu'il a rasé et qu'est-ce qu'il a pas rasé? C'est ça le truc. J'ai l'impression que sur la droite, ça doit être encore rasé. Ouais. Donc, je dirais que c'est les zones de tous les risques ici. Ce qui serait bien, c'est qu'ils se mettent en embuscade et qu'ils prient à chaque fois, en passant, de ne pas croiser une armée du chaos, simplement. Ils vont compter sur leur foi pour aller capturer pour nous. Le but, c'est de capturer avant que le nain capture. Voilà. Prochain tour, on capture ça. Ici, c'est ok, ok. Tiens, on a qu'à affaiblir ça. Il est où, mon petit bonhomme? Yes, General. J'en ai perdu un. Et j'ai perdu un petit bonhomme. Oh, il est là. Merde. Ah mais non, Marienburg est pas assiégé du tout. Donc on est quasiment full. Donc on est content, on est content, on est content, on est content. Pas que je la perde. Balthazar va essayer de revenir dessus, hein. Doucement, mais sûrement. On a vu qu'il y avait des armées du chaos qui commençaient à revenir vers Sartosa. Il lui reste 2 tours, donc je vais probablement y aller en mer. Comme ça, je vais aller plus vite à rejoindre qu'il faut. Ici, j'espère que ça va tenir, Magritta, mais bon. J'y crois au moyen. Ah, c'est Raoul. Ah bah ouais, 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 vas-y Raoul. Raoul gagne un point, moi je suis content. Et fin de tour. Ah, non, t'es sûr? Bah non. J'ai vu un lancier, j'ai pas vu un hallebardier. Hein. Bah non, parce qu'il commence à caper quand évidemment le chaos disparaît. Coïncidence, je ne crois pas. Pour récupérer des bouts de province aux mains d'un allié et pas trop cheaté, je trouve. Faudrait voir, Snarit. Non, je peux pas leur restituer. Je peux essayer de repousser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour espérer que ce soit lui qui, enfin, qui capture, mais leur donner réellement, je peux pas. Ouais, le chaos est quasiment foutu. Bah, j'espère que là-bas, il se fera bouffer, comme ça, au moins, on sera bien. On va essayer de regrossir un peu dans le terrain, ici. On va essayer de... faudrait que j'essaie de récupérer les forts. Allez, s'y attendre. Est-ce que c'est jouable ici? Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Capitaine, il tiendra jamais la masse. Hein. Ah, mais le nain. Oh. Ah, oui, c'est le château de Gascony, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh le bâtard, il s'est split en deux. Guerrier du chaos, chevalier du chaos, guerrier du chaos. Oh. C'est pas...
En fait, ici, on dirait qu'on peut gagner. Mais du coup, j'y mets combien d'unités pour finalement défendre ça après? Et si j'arrive à défendre... Après, je me dis, si je défends ça, ce que je peux essayer de faire, c'est remonter là. Là. Et défendre contre la masse. Après, ça se trouve, lui, il va plutôt courir par là que par là. Et dans ce cas-là, ça serait worse. Et j'ai envie de mettre ma force, enfin, toute ma force d'un côté, quoi. Il est beau le château, qu'il est beau. Bah les montées, ouais. Est-ce que si je fais ça, non. Ouais. Si je fais ça, pour essayer d'avoir un angle, genre avec ça, pour défendre, ça sera suffisant. Pour les tuer. Là, je devrais tout tuer. Mais après, le problème, c'est ce qui va arriver là-bas. Alors là, ça va être la couche de trop. En fait, si j'arrive à la tirer là, c'est bien. Si je la tire pas du tout là, c'est pas worse. Parce que là, après, pour défendre ça, faut y aller, hein. Ça me permet de tirer sur la pente si je le mets là. Si je mets un hallebardier, mais après il va falloir que je me déplace assez vite. Je suis même pas sûr que ça l'attire. Hein. Bah, on va faire un test. Hein. On va faire un test. Et si ça remonte par là, bah... On peut avoir les chevaliers de l'Empire qui attirent. Ça peut être cool, parce que de toute façon, il va vouloir venir vers moi, et forcément, je l'attire vers ce qu'il faut. Il me reste ça encore. Ouais. On verra bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une pente aussi ici. Donc les arquebusiers vont vite profiter des tirs. Mais il faudrait choper très très vite les ennemis là. Hein. Et bah, bonne chance. J'espère qu'ils vont être efficaces. En tout cas, l'IA réagit bien. Déjà, c'est un bon point. Intéressant lui. Yes, General. To battle. We await your orders. Take the ground. Help, Adair! No lingering. Quick march. Go, swordsman. Ready! Quick march! To battle! Quickly!
taking position! Yes, sir! Sigma guides us! Yes, my lord! Mais pas de la merde! Non mais arrête d'invoquer tes trucs! Des meutes de chiens pourris là! Non! Tu fais pas de la merde! Quoi, tu vas relancer un sort? Mais là, je vais pas pouvoir résister. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. C'est quoi? Ouais, c'est des chevaliers du chaos qui arrivent. Donc, chevalier de l'Empire, faut vite arriver là. Bon, au moins Festus. Non, il s'en bat les couilles du mortier, mais royalement. We are Sigma's heirs. Ah, il s'en fout. Il s'en fout carrément. Ah, les arquebusiers, vous pouvez faire le taf là. Ah bah maintenant il s'en fout moins du mortier, tiens. Voilà, pour donner un peu plus d'angle, ça serait cool. Eh, vous arrivez à shooter sur les chevaliers? Ça a l'air d'être efficace. Ok, on ramène les arquebusiers. Formation, march!
J'espère que ça sera à temps, mais... Là, pour l'instant, ici, on devrait tenir avec le nombre. On pourrait tirer, mais le problème, c'est que j'ai un peu des guerriers du chaos au cul. Au pire, je les ignore, tant pis. Hein. Le mortier va mourir. On va essayer de les placer plus vite pour qu'ils puissent être efficaces. Handgunners, we serve the emperor. No lingering. Ouais, là il commence à y avoir un peu beaucoup là. Ça y est, des guerriers du chaos en contact. Allez, on peut le détruire au pire. Allez, aidez les copains, ils résistent comme ils peuvent en plus, c'est beau. Désolé le mortier. Allez, il en reste un. Shootez-le avant qu'il commence à casser le moral des autres là. Voilà. Allez, ils sont à hallebarde là. Ça se défonce ça. Encore. Ah, ils m'énervent quand ils font ça. Quand ils plient comme ça d'un coup. Bon, on a quand même fait mal. Des rejetons, des chevaliers, un chariot. Bah. Non, il restait plus grand chose chez eux. Hein. Il fallait. Après, le problème, c'est que j'allais manquer de munitions avec mes arquebusiers. Hein. Ça. Donc, à la fin, si je tapais contact. Puis les rejetons n'abandonnent jamais, donc. Ouais. Tant pis! Elle savait pas trop les amener, mais ça a permis de tempo, oui. Après, on... C'est pas forcément le nombre d'unités qui... Comment dire ? Mais vu qu'on arrive à les agglutiner à chaque fois dans une zone, on réduit énormément l'efficacité de l'armée ennemie qui est plus nombreuse que nous sur une zone. Bon, là, à moins 8000. Ah mais ça, je vais pas pouvoir encaisser moins 8000. Pourquoi? Pourquoi moins 8000? I rule. I am Setra. You should buy a green. Bon, déjà, pas, peut-être pas moins 8000. Moins 7900. Pourquoi? Bon bah Balthazar, hein, il va falloir que tu y ailles franco. Hein. Chiche,
Tu vas attirer les ennemis ici. Voilà. Et toi, ton but là, ça va être tuer tout le monde. Tout le monde. Ah ouais, mais après, c'est en soi, c'est à cause des seigneurs que je recrute aussi, hein, ça c'est sûr. Lui, si je le vire là tout de suite. Ouais, je. Oh, pardon. Si tu ratais un épisode là. Heureusement, je vais encaisser un peu ici. Men, we must attack. Take what you want. Ouais, 7400. Praise be to Sigma. On avait dit on prenait des risques. Here to serve. Donc je dépense beaucoup et en plus oh là là. Oh bah Balthazar, faut faire des morts là. Hein. Là tu me tues tout ça là. Hein. Ouais, what quoi? What tu tues? What tu tues direct tout ça. Hein. Fais pas le con. Hein. Je vais encaisser un tour, mais là je vais devoir envisager hein? Voilà hein. The righteous hammer of Sigma. Oh par contre si j'y vais à fond là-bas ah ouais. That will incur. Ça me permet de d'être sûr que ça c'est pas pris. Volkmar the Grim. Sigma, ça c'est cool puisqu'après j'y vais en flotte. Ouais. Regardez, hop. Mais il y a deux armées. Ah non, mais il y a deux armées en fait. Je voulais pas faire ça. Il y a deux fucking armées. Your actions are unwise. To arms. Ouf. Hey, casse-toi. Nous on veut plus te voir nous. Nous on veut plus te voir. Ouais, on n'aime pas ta tête. Bon. C'était bizarre cette histoire. Elle était très sombre sûrement. Ok, bon bah on s'est fait raser ça de nouveau, on se fait attaquer ça, on va probablement se le faire raser aussi, hein, mais... Mais on le vit bien. I will help you. Leaving. Non, c'est bon ici. Oh. Oh, toi tu vas... Oh, toi tu fonces là-bas après. Ah ouais. I serve the Heldenhammer. Si je peux avoir la région entière, tant pis pour les rébellions, tout ça, hein, on n'a pas le temps. Toi, tu me captures ça au prochain tour, puis qui se lève. En espérant qu'il n'y ait pas plus de chaos que ça. Hein? Strike. Sir. Your orders. Ouais, on dépense sans compter, hein, je vous le dis. On ne cherche pas à savoir si c'est... Parce que le but, c'est la course à l'économie. Voilà. C'est aussi simple que ça.
passe pas grand chose, hein. C'est calme. Un peu trop calme. Parfait. Non, parce que je me vois gagnant, mais j'ose pas la faire. Ça, c'est... Oh, voilà, ça peut être intéressant là. Ils sont pas nombreux. J'ai 4 arquebusiers qui peuvent aligner littéralement avec le capitaine. Ouais. Je pense que celle-ci est gagnée parce que je vais défendre cette porte coûte que coûte avec le capitaine là. Avec un hallebardier pour. Au cas où, on va mettre les croix là, on va mettre les mortiers là. On va mettre deux autres arquebusiers ici. Avec un hallebardier. Oh putain, il y a du vent! J'ai senti une brise d'air. J'ai senti une brise d'air, je vous jure. Ça y est, ça ressouffle ici. Ouh. Oh ouais, non, 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 c'est... On remarque, voilà. Hein. On va mettre un comme ça et un comme ça. Hein. Allez. Je sais pas du tout, Dr. Cloak. Ça, le nom me dit quelque chose, mais... C'est vrai que si on peut commencer à abîmer eux dès le départ, on dit pas non. Hein. Voilà, ça on aime quand ça pète comme ça, là. Ah, fallait des petits pétards dans la gueule des ennemis, là, tout de suite, là, pour les calmer, là. Parce qu'ils font trop les malins, là. Le problème, c'est qu'il y a un peu beaucoup d'infanterie, mais... J'ai presque envie d'en mettre un troisième, en fait, arquebusier, ici. Vu qu'il n'y a que ça... Comme ça, ici, vu que j'ai tout ça de renfort... Une fois qu'ils vont rentrer dans le périmètre. N'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, mais...
Une fois qu'il est tout seul, généralement c'est compliqué. Hein. Deux unités, c'est vraiment juste. Fais gaffe parce qu'on perd des points, donc on va essayer d'aller les récupérer. Allez, normalement c'est gagnable ça. Je sais que je perds le point, que je perds des points, mais normalement. Allez, faut pas paniquer. Voilà, c'est ça. Sortez du terrain, parfait. Ça va être juste ton timing, mais ça peut le faire. Ok, on a capé, on est bien. On bouge pas. Allez, finis-le. Formation march. Ready for war. Yes, sir. Move it now. Ok, lui, c'est pas, il a du mal à se placer. Ça, c'est cool. Voilà, si on pouvait, tu peux éviter de me faire des brains comme ça. Voilà. On demande gentiment de partir, t'as vu? C'est gentil. Ok, on va pouvoir charger les albardes. Ok. On peut essayer avec les copains, c'est bon. On va tuer ça. Et là, eux. Avec des mortiers en participation, c'est cool. Et là, on arrive, mon gars. Je pense qu'une charge dedans va les calmer. Voilà. Allez, cassez-vous.
cool. Donc elle était gagnable. Eh ben, Tartogan, en déroute, voilà. Ah, hein, t'as parlé trop vite. Et c'est ça, hein, qui, bah, à force de tirer, ouais, 200, 213, 159, 151, 213. Allez, tu me laisses le massif, s'il te plaît. Donc là, Volkmar a réussi à repousser ici. C'est bien. J'ai eu un paysan. On est à moins 5000. Moins 5000, c'est plus acceptable. Bon, on se doute, il y a quelque chose dedans, non? I command here. Pourquoi ça me spot pas, moi? Je comprends pas. Allez, je vais envoyer le prêtre. Bring me to my men. Yes, the rites of war are ready. Cleanse the empire. C'est ça. This is my land. Sachant que je ne sais pas ce qu'ils foutent là, mais... Attack! Voilà, on y arrive petit à petit, on récupère des trucs, c'est cool. Ça, on le casse. Balthazar, est-ce que tu arrives à faire quelque chose, là, quand même? Parce que là, va falloir se bouger, là. Hein. Mais il fuit, ces lâches, hein. À chaque fois, il m'assiège un truc, mais il fuit, hein. Et ils sont... attendez, vous croyez que... Eux, ils sont avec eux, là. Vassal, ouais. Non, c'est bon. Les mecs n'osent pas m'affronter, hein. Je leur fais peur avec mon armée, là. Sauf que moi, je veux vous défoncer. Sauf que je connais pas votre portée. Et parce que vous êtes sans arrêt en campement, à chaque fois, c'est surprise. Surprise, c'est chiant. Ouais, à mon avis, t'as à peu près une portée par ici. Donc du coup, je vais me mettre là. Et je vais essayer de t'attirer. Ouais. Ok, bon bah du coup, ici, hein, on a un peu perdu beaucoup, hein, mais bon. On essaye de recapturer, mais j'avais vu que Balthazar fait pas de bataille. Bah, c'est un peu le déficit. Blessings of Sigmar upon you. Oh, par contre, ça c'est parfait, parce que si lui il pense après me choper, autant là on est bien, après on reviendra tranquille. Hein. Hop, voilà, comme ça une petite régène bien calée là. Ça, ça va me faire de l'argent au prochain tour, ça. Ça c'est sûr. Bon, j'ai réussi à repousser ça, mais je sais pas pour combien de temps. Donc j'aimerais bien... Direct me. Et d'où t'arrives à régène, toi? Strike. Ça squatte un peu beaucoup, hein. Je suis obligé de le faire. Bon, ici on a fait exprès, hein, pour investir là-dedans, pour que ça soit vite rentable si possible. I am prince and emperor. Là ça a l'air d'être rasé. Là c'est rasé aussi.
En termes de force, il y a quoi là? Ok, je pense qu'il reste juste la force là-haut. Lui, il doit lui en rester quelques-unes, mais j'arrive pas à les situer. Alors, il y a celle-ci, par exemple, hein, mais qui ne devrait pas être trop embêtante. Je pourrais essayer d'aller capturer ça. Même si ça va attirer monsieur. On va juste tracer comme ça. Jusqu'à là-bas. Par contre, Balthazar, faut vraiment que tu fasses des batailles là. Là, ça peut pas le faire. Là, faut faire des batailles là. Là, il faut écraser tout ça là. S'il te plaît. Hein. J'ai besoin de ça pour. Là, je pense qu'avec lui, je vais capturer et avancer. On va essayer d'être safe. Pas dit qu'on y arrive, mais bon. Ouais. Je pense qu'il faut que je capture avec lui, j'ai pas le choix. Oh, faut prendre des risques. Guardian. Faut prendre des risques. Summon the Elector Count. Sigmarite Archlector. My journey begins. Ouais, pour capturer Béchafen. Ce sera la première fois que je l'ai, je crois, celle-ci. Et toi, du coup. Non, d'accord, rien, de toute façon. Is it time? Ça me coûte cher. Allez là. La prochain tour, baston. Bah il y en aura au moins une déjà, quasiment sûr. Et au pire, je dépenserai rien, hein, c'est tout. Hein. Mes héros. Attendez. Je peux peut-être booster certains trucs là. Intégrité. Non, revenu de commerce, bah bien sûr. Allez, avec un coupe-jarret. Le mec, c'est un pêcheur avec un. Cocher et un batelier. Le mec, il augmente de 5, 11, 17% le commerce. C'est propre. Je dois en avoir... Bah, allez, bah oui, mais toi aussi, tu veux augmenter, bien sûr. Ça sera peut-être plus l'ordre public. Hein. T'es un peu dans une zone isolée pour capturer de mémoire... Hors public. T'as pas de commerçant toi? Non. Tant pis. Toi j'ai déjà... J'ai rien mis! Mais c'est honteux! Y'a pas commerce? Non, y'a pas commerce. Dommage. Je me concentre surtout là-dessus pour espérer gagner des sous. Hein. Allez! Ah, bah Quick, il est là. D'ailleurs, on a trouvé Quick. Allez, bien qu'on le trouve à un moment. Salut Thibaut.
toi en plus, y'a Sigval. Oh non, mais par contre, mon économie, elle va se barrer en couille, là. Oh, je vais devoir virer une armée. Je vais, avec Balthazar, je vais raser tout ça, mais je vais devoir virer une armée. Je peux faire mal, mais ça changera quoi? Mon compte en banque! Ah! Ils ont craqué mon P! Allez! Bah, bien sûr! Bah, je te mange tous les jours. Salut, Tronka! Ça va bien, toi? Ah, il est peut-être débile, mais ça paye, n'empêche. Hein. Parce qu'il a réussi à s'imposer. Hein. C'est un jeune clan, son clan. Ok, bon. Bah ouais, là, forcément, là on a mal. Là, on a mal. Là. J'ai très mal. Setting forth. Miaou. Praise Sigma. Do not displease me. Sigma, grant me strength. Alors, Balthazar, est-ce que tu t'en tues là? The Empire. Tu les tous. Tous. Attends. Ready. Ah non, mais t'arrives à rien tuer au final, tu m'énerves! Never. Ah, je vais peut-être réussir à sauver Couronne par contre. Donc en gros, je peux rien dépenser à cause de toi! Oh, sa faute à lui là! I go where the winds howl. Et oui, tu m'interceptes pas comme ça! Non! Balthazar, il a des yeux, mon gars. Il a le même pouvoir que Spider-Man. Quand il sent le danger, il voit rouge. Il le sent. Après, on va dire qu'avec toi, c'était plutôt un bleu froid. Hein. Il a senti. Mais il t'a senti quand même. Let us begin. Asinine mortal. By the comet. Wind of Shamon, I will. Voilà, donc je me mets en mode campement. J'espère que ça va l'attirer. Lui, je vais le tuer. Bon, par contre, Quick qui a réussi à m'intercepter, c'était où? Visiblement, c'était lui. Huntsman General, is it time? Ah, par contre, tu vas me faire le plaisir de mourir, toi. Covering ground. Time to fight. Close in and kill. Captives are a burden. Stay together. Huntsman General, get a move on. Garrisoning. Bon. Le problème, c'est que là, il va probablement me capturer ce truc-là, là-bas. Après, ce truc-là est squatté, normalement. Et toi, t'es en guerre contre Quick ou pas? Bien sûr que t'es en guerre contre Quick, là. Pourquoi t'es pas rentré dans cette guerre? Des fois, je les soupçonne de trafiquer quelque chose contre moi. Hein. I live to serve the Emperor. Et je soupçonne pas souvent, mais là, gros soupçon. The Empire. What do you require? Bon, si je peux avoir qui se lève, and mirrors. Je le fais. Shadow Swift. Bon, ça ressemble à quelque chose de squatté, ça. Champion of the faith.
Alors c'est soit je capture qui se lève, j'essaye d'en faire un truc, mais je vois rien et c'est chiant. Maintenant, il y a une armée là... attendez deux secondes. Non, c'est bon. J'ai eu peur que de nouvelles forces soient arrivées. The nation calls. I am ready. En fait, tu te fais attaquer ici. Very well. I will do this. Non, tu te fais pas attaquer ici. Si, c'est peut-être mieux quand même, hein. Comme ça, tu recules correctement. Ouais. Equipment check. Donc là, il faudrait que j'aille capturer là-dedans. Avec lui, il faudrait que j'essaie de capturer, mais ça va être dur. Avec lui, c'est plutôt pour faire la guerre. Maintenant, il a une bonne régène, donc... I command here. On pourrait dire qu'il peut se le permettre. They will obey. Alors, est-ce que Quick va foncer sur mes villes ou pas? Pour l'instant, je les laisse comme ça. À la limite, avec lui, je trace là-bas, hein, au pire. Je peux faire ça aussi, hein. Comme ça, je casse la gueule à Quick, on n'en parle plus. Hein. Est-ce qu'il n'arrivera pas à m'avoir en embuscade, Carls? C'est pas possible. Carls aussi, il a le même pouvoir, c'est tout pareil. Hein. Pick up the pace. Step to it. Your orders. Onwards. It is time. Raoul, il a eu un point. Raoul, il a eu un point. Affecte les alliés, c'est bien ça. On va partir là-dessus. Tu peux attendre là. C'est laquelle que j'ai capturée? C'est elle en première. Donc, si j'investis dedans, c'est pas très grave. Ça, c'est bien. Ah, mais il y a un autre KO. Donc en fait, il faudrait que je lui casse la gueule et qu'après, par la flotte, je passe là-bas. Ok. Après, la façon dont le chaos a été offensif, déjà il est arrivé très tôt, ça c'est pas de chance. Je pense que ça fait partie des plus tôt que j'ai eu à subir, réellement. Et en plus, le nain n'est absolument pas intervenu une fois. Quasiment contre le chaos. En gros, il a repoussé trois armées à tout casser. Oh là là, je lui casse la gueule avec mon armée. Eh non, mon gars. Eh non, c'est Balthazar. C'est Balthazar, mon gars. Balthazar, on lui met pas comme ça. Ça fait deux traits d'un coup. Normal. Bon, ici, normalement, on va se faire assiéger juste pendant un temps. Donc, si l'autre fantoche, il fait pas grand-chose, ça me va. Oh, j'adore la carte, quand même. Hein. Tu sens qu'il y a eu une vraie bataille là-dedans. C'est parce qu'il a trois tanks à l'intérieur de son armée qui sont goldés. Il a des tonnerres de feu. Il a des feux d'enfer. En fait, c'est tout ce qu'il faut pour écraser beaucoup d'armées, quoi. Un peu comme Volkmar. Sauf que lui, il a deux Héliobolis. C'est assez rigolo à utiliser. C'est mignon.
Ouais, après lui c'est pas grave. Moving out. Nagaron il fait ce qu'il veut hein. What? Ça c'est... On dira c'est pas ma guerre hein. Ça fait un peu peur parce qu'on ne voit rien mais bon. Par contre ça c'est cool. Le petit 3000 là. Ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que je peux encaisser plus facilement normalement. Les poursuivis, c'est ça? They will be judged. It shall be done. The nation calls. Donc je peux pas recoloniser. Ce qu'il faut, c'est que je... Ouais, je pense que je fonce sur ce qui est possible à capturer. Genre ça. Pour avoir ça, par exemple. Contre le chaos, normalement, c'est jouable parce que là... Ah non, y a rien. Hop, 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 voilà. Y a rien ici. Ah bah non, il y avait un totem. J'avais pas vu. Mais là, normalement, il y a du scaven. Hein. Bah toi, du coup, tu peux coloniser là. For the Emperor. Pardon ? I will go. I am prince and emperor. Alors, je pourrais tuer son armée. Est-ce que j'ai un intérêt à tuer son armée plutôt que de coloniser là-bas? Au pire, je commence à reperdre un peu de territoire là. Et en plus, je suis même pas sûr que ça fasse cet effet-là. In the name of Magnus. I see no other option. Ok, ça me permet de revenir là tranquillement. Ça, on combat la corruption de toute façon. Ils l'ont subi pas d'ailleurs. T'as pas un trait pour ça? Je crois qu'il a un truc pour résister. Bah, de toute façon, lui, il a tellement cassé de gueule et tellement de... Ah, il avait peut-être un trait pour résister à l'usure. Non. Bah je sais pas. Bon ça se fait que t'en prends pas assez trop bas. Ouais, ça ressuscite un humain et si je le repère, bah je me retrouve encore là-dedans là et c'est chiant. Je vais pas m'énerver. En vrai, je vais pas m'énerver, hein. Bah non. Pourquoi je m'énerverais? Pourquoi je m'énerverais? Pourquoi donc, hein? Pourquoi donc? Huntsman General, receive. Et en plus, je suis sûr qu'il a la portée pour coloniser ça. Et vous croyez qu'il va se gêner de le faire, lui? Il va se dire, ah, regarde tout ça, mais bah les couilles. Donc en gros, je dois craindre ça si je colonise avec lui. J'aurais pas dû le recruter tout de suite. Je pense pas que je la crains. Ils sont que 14. Même si on va être à moitié sur chaque truc, j'ai encore Balthazar avec un prêtre costaud, Panoramix et des tanks. Tank, Panoramix, tout ça. I shall be victorious. Do not waste my potential. Ouais. Je croyais que ça faisait un peu moins mal, genre moitié, pas total en fait. Mais bon.
Alors je perds pas l'armée de Balthazar, ça c'est mort. Hein. Je suis prêt à prendre une unité en plus ou pas? Aïe 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 aïe. Ah, ça m'énerve. Je suis obligé de faire ça parce que sinon on se mange mort, il capture dès le départ, et il s'en bat les couilles lui. Parce que s'il repère derrière. De toute façon, j'ai déjà un royaume grand comme. Ça, c'est à tous les coups parce qu'il sent. Take them before they get to battle. Direct me. Ready? Hit them hard and fast. Et je l'affaiblis aussi. How should we proceed? Voilà. Comme ça, au moins, on va jouer à égalité là-dessus. Yes. Toi, il faudrait que tu spotes la zone. Parce que c'est vrai que je vais peut-être commencer à récupérer ici quand même. How to proceed? Huntsman General. Here they are. Sachez bien qu'il est un prêtre quand même en vrai. Hein. Huntsman General, hunters. Ce serait bien qu'il ait un prêtre. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre cette histoire. Ouais. Fallen men. Ah, parce que s'il a un petit prêtre avec lui, au moins il régène bien, bien, bien lui. Et vraiment. Pas mal le petit discipliné là. Comme ça, tac. Tac, tac, tac. Et il va dans ses troupes. Voilà. Volkmar, Sigmar has shown us the path. This is wise. I see Sigmar's hand in this. Je vais pas tarder à avoir une rébellion, donc faut que je me dépêche à aller là-bas. Hein. I command here. Yes. Sans le prêtre, je vais avoir du mal à régène, par contre. Vas-y, ne bouge pas, ça me va moi. Pardon ? Ah ouais, bah ok. Hein. Je suis pas sûr que t'aies vu. T'as dû loucher Arcaon. Hein. T'es sûr que ton casque il a pas caché la vision là? Je suis pas sûr qu'il fallait faire ça. Hein. C'est vrai qu'après j'ai pas le prêtre hein, pour résister. Hein. Heureusement j'ai un autre tank. Hein. Heureusement. Hein.
Donc on sait qu'il a de la cavalerie. Je me demande si l'IA fait pas exprès de viser de la merde pour justement te dire ah mince bah t'as tué personne bah du coup voilà hein, tout le monde est en forme et tu prends cher. Je me pose quand même cette question. Mon griffon prend un peu cher. Allez les gars! Voyant renfort aussi. Seeking enemy. To battle. See to it. No lingering.
weapons are yours! Halberdiers! Yes, General! Yes, sir! Allez, laissez Karl se faire. On va voir ce que ça fait, ce petit 1v1 là. Karl se prend cher en vrai. Hein. Regardez. Regarde un peu en termes de dégâts et tout. Ah là pour l'instant il lui remet. Là il se défend mieux. Attention quand même à pas le perdre. Hein. Allez vas-y. Non, je vais pas le faire mourir quand même pour un duel. On va demander aux arquebusiers de tirer dessus. Enfin s'ils y arrivent. J'attends qu'il ait de nouveau son truc. Attention à mes griffons. Ok, donc eux on va leur demander de lâcher. Allez, mais tu peux lui mettre le coup de grâce ou pas? Doucement les gars, doucement. Ouais parce qu'eux ils s'arrêtent pas de tirer hein. C'est ça le problème. Ok. Il reste quoi encore? Mais c'est une blague! Il a récupéré votre truc. Ouais. Il y a un petit blagueur au fond là. Pas toi, parce que toi tu peux mourir, toi. Il nous ramène le truc à la fin. Voilà. Archaon est indémoralisable, oui. Bah comme Karls. Les deux sont indémoralisables. Ouais, après dans Total War Warhammer, Karls. Enfin Karl est quand même. Très énervé, hein. Très énervé. Bah, Archaon, c'était gentil d'être passé, hein. Merci, hein. Franchement, merci de m'aider un peu financièrement. J'apprécie le geste, sache-le. Greetings from Sigma.
Il y a eu un repop de fantoche. Mais pas de chaos. Donc ça devrait aller. Bah alors, on n'a pas osé m'attaquer ? Non. On a préféré fuir. Ah bah c'est dommage, hein, parce que là je vais continuer de grossir le truc et après, bah voilà, hein, tu m'en voudras pas, mais... Y'a un Skaven ici ! Y'a un Skaven ! I am Prince and Emperor. Je le balance direct. Sigmarite Archlector. Alors. What do you seek? Reviens voir. What do you require? Copain. Alors, ok. Le mieux, c'est que je tue the ça. Calls. Là, là, ça, là. Ouais. Summon the Elector Counts. Bien sûr qu'il accepte la bataille, mais bien sûr que je le tue instantanément, donc on s'en fout. Alors attends. Ton retrait à la banque naine avec ton chaos. Ah bah écoute, le PEL avait bien fructifié visiblement un 50 000. Et là, ah ouais, l'auto il était de combien? Le mec m'a dit 4. Ah c'est pas maintenant qu'on peut les avoir les 4%. Ah non. Handgunners. We are Sigmar's heirs. Ouais, il était dégoûté hein. Il était dégoûté que je récupère l'argent. Il a tout fait pour me dissuader, il a commencé à me dire, monsieur, vous voulez un café, vous êtes sûr de vouloir les retirer, vous voulez pas plutôt faire un crédit Parce qu'avec les crédits, maintenant, vous savez, avec la crise et tout, on fait attention, mais bon, quand la personne a déjà un apport, on ferme plus ou moins les yeux, puis... On fera vraiment un taux assez bas. Si pendant ce temps-là, en plus, le PEL, vous le laissez dans la banque, ça réduira encore plus le coût de votre crédit. Que j'avais ça pour me heal. Oh le salaud, il joue avec la nourriture, c'est pas bien. Voilà. Si vous consignez, c'est vrai ça, je pourrais faire signer où moi. Écoute, il faudrait que je fasse un papier. Bah tu signes dessus de toute façon. Les lignes, ça te dérange si j'écris en un? Parce qu'on fait RP, bien sûr. Et après, il n'y a plus qu'à signer. Sigma compels us on. L'histoire killer, c'est que il y avait comment ça s'appelle cette ville là? Celle-ci là, la montagne de l'œil rouge. Elle possède par exemple une salle de la guilde des orfèvres à 1800 apports. Faut savoir que quand tu casses ce genre de ville, le taux d'intérêt est assez élevé. Simplement. True servant of Sigmar.
Ah oui, c'est parfait si je capture ça en vrai. Et du coup, je fais ça, je le sors. Champion of the faith. Je vais dedans. Boum, je régène. Bam! Je rentre dans l'armée ou pas? Est-ce que le calcul était bon? Est-ce que le calcul était bon? Allez, vas-y, dis-nous tout, Nicolas! Oup. Et voilà, la régène est parfaite. Et du coup, j'ai Béchafen en entier. Une belle ville quand même, hein. Une plutôt belle ville qui, j'en suis sûr, une fois optimisée, rapporte. Alors ici, je ne vais pas trop y toucher. Ici, on va se battre hein, pour monter un peu d'argent. Quoi. Tristesse. Quand je vois l'autre qui capture les trucs. Do not waste my potential. Ok, il me reste le sorcier. J'ai presque envie de bloquer les armées naines. Est-ce que vous croyez qu'il le prend mal si je mène une action de blocage sur sa gueule? Ah merde! Ah merde! Je t'avais... Excuse-moi, je t'avais pas reconnu! Ah ouais, mais en même temps, je t'avais pas vu et je me suis dit, ça c'est une armée du chaos. Comment je vous ai confondu? À l'odeur. L'odeur. Je le bloque pour capturer. Eh, c'est la course ou c'est pas la course? Il risque très mal le prendre par contre. Hein. Une action héros, je sais pas. Le mec. Mais on est à 1448, on est même plus frères. On est jumeaux. Bon, ça se voit pas. Mais on est jumeaux. C'est bon. Il m'autorisera bien quelques actions contre ses armées. Je suis dire, excuse-moi, j'ai glissé. Hunt and forage. What? Il va falloir que je réfléchisse comment bloquer ces armées, bien évidemment. Il va falloir que je capture ça, d'ailleurs, juste après. Mais j'aimerais bien qu'il se lève. Qu'il se lève. Vous savez, la ville parfum. Comme je l'appelle. En fait, tout dépend de ce qui se passe ici entre cette armée et cette armée-là. Sur papier, je sais pas laquelle gagne. Il y a quand même 4 canons. Là, il y a quand même des rejetons dorés et tout. Un canon à peau. Il y a quand même Sartorel, le gardien éternel. Pardon, éternel. Vous voyez, tellement c'est puissant. Hein, j'ai prononcé son nom, ça fait remonter. Ça? Onwards. C'est un peu comme Voldemort, quoi. Est-ce que je recrute un seigneur, ne serait-ce qu'un instant, pour aller capturer Mary Amberg et la protéger avec Balthazar au tour d'après? Je crois que la stratégie est sublime. Bien sûr, il faut que je casse des gueules aussi à un moment, hein, parce que sinon... Donc je pense que oui. Quel est le moins cher? Un prêtre. Ah, je peux juste l'invoquer. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai fait. Et s'il me laisse régène encore un tour, bah moi je suis bien. Hein. Cette force. Bon, je peux aussi aller capturer ça, mais est-ce que j'ai envie de défendre contre Norska tout de suite? C'est chiant. Show me the accused. On peut laisser ça à Couronne, hein. Nous on veut juste Mary Amberg parce que c'est quand même la banque centrale. Yes. Yes, General. Pick up the pace. Your orders. Je vais avoir le droit à une rébellion. Sauf si je capture ça après. Espérons quelques batailles. Merde!
Merde! Après, j'ai eu le temps de régène, hein, s'il est ici de m'attaquer. Cleanse the Empire. Huntsman General. Je crois pas qu'il reste beaucoup de chaos, mais je sais pas s'il reste pas une vague encore. Là, une vague tout de suite, alors que mon économie n'est pas des plus... polichons. Ça, c'est pour être plus proche de moi, c'est pour ça qu'il récupère les colonies. Je l'ai vu, ça, je l'ai grillé. Ah, depuis qu'il peut plus être l'amant de Sneak, Storgrim, bah il cherche. Il cherche désespérément quelqu'un d'autre. Hein. Il avait Sneak, il avait tout pour gagner avec lui en plus. Depuis, bah il revient vers Karl. Karl, il est un peu. Il a pas aimé ce coup-là, hein, parce qu'avant Sneak, c'était bien Karl. Hein. Depuis qu'il revient à la charge. Bon bah normalement j'ai plus qu'à taper tout ça là. Piri 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 piri. Mon couronne se fait assiéger mais c'est pas grave. Moins 3000, hein. Ah, bah, je crois que cette armée a gagné. Oui, mais elle est mal en point, aussi. Donc, j'ai deux choix. J'achève le chaos sur la droite, parce que c'est vrai que ça fait de l'argent. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par ça. Donc on va pousser lui, excusez-moi monsieur. Pardon, pardon, pardon. Marienburg m'intéresse beaucoup, pardon. Merci, merci de votre compréhension, monsieur. Pardon monsieur. Pardon. Comment? Vous voulez pas vous pousser? Prochaine fois, vous accepterez. Follow me. Ready to serve. Allez. Allez, on récupère notre banque. Of the faith. On le licencie. So, on lui donnera des raisons, évidemment, hein, économiques. I am innocent. Il comprendra, il comprendra. By the comet. Il comprend qu'en ce moment, l'Empire n'est pas florissant. Et que Equipment du coup, check. Par conséquence, il faut évidemment... Alors, dis-moi que tu fuis, hein. Que tu captures pas, s'il te plaît, hein. Parce que ça vexe. Alors, j'ai le temps, visiblement, ici. Parce qu'il y a du chaos. Je suis quand même à moins 3000, hein. Je peux décider de capturer ça en dernier. Pour enfin attaquer ça après. Le problème, c'est qu'on a vu Quick et on l'a plus jamais revu. Donc, est-ce que le nain lui a fait les fesses? Ça, je sais pas. Le problème, c'est que si je laisse lui de ce côté-là, c'est emmerdant. Parce que monsieur va forcément... Bring me to my men. Essayer de récupérer ça. I command here. Alors c'est bien, c'est que c'est à plus 7. Je suis obligé de le laisser un tour en fait, c'est chiant. Protector of the weak. Is it time? Yes. Ah, mais fallait le dire qu'il y avait quelqu'un. J'étais là timide et tout. Mais non, mais attendez. Ah, accueillons-le comme il se doit. Est-ce que tu aurais la portée pour ça? Ready to serve.
Et je vais capturer ça. Et je vais le licencier. Ever vigilant. Voilà. Je perds plus que 789. The Empire. Je pense pas que couronne perde, c'est très bien. Moi j'ai juste besoin de refaire mon économie, mais il va falloir que j'aille gratter où je peux, hein. Never. Bah là par exemple. Bonjour. Moving. Sigma has shown us the path. Allez, on va investir un peu. Deux armées qui m'attaquent ici, à mon avis, et c'est pas pour discuter. Alors ici, on a 5, mais on n'aura jamais après ce qu'il faut. C'est dommage. On avait une ville au niveau maximum. On était bien, on était content. C'est beau. Mais c'est cette ville-là où il y a une production de vin. Donc je vais casser ça parce qu'elle dort visiblement à l'air d'être safe. Ici, ça serait bien de monter ça, ouais. Et ça, et on va se calmer après, je pense. Hein. Comme ça, ici, le mur est fait, l'autre m'attaque. On n'a plus qu'à attendre. Toi, reste là, toi. Ah non, le casse-cou, il va... Ah non, il peut pas. Il a pas la portée. J'avoue que j'aurais eu le mort s'il avait la portée, hein. Visiblement, tu peux faire ça. Je vais peut-être pas encore capturer. Hein. Pas longtemps, on est une rébellion. Cette rébellion est embêtante parce que du coup, je vais pouvoir ramener Karls quoi qu'il arrive, mais on avait dit qu'on arrêtait de dépenser. Hein. Froid, ça fait du bien. Oh, ça fait 1h40. Gary Carl. Oh. Non, c'est juste que c'est une plaque pour me refroidir. C'est ce que... Allez, ouais, bah désolé, t'es pas Archaon, toi. Hein. Toi, t'es une contrefaçon, toi. Donc non, toi, tu peux pas... Toi, tu peux pas me tuer, toi. Je renvoie les balles. Bah, j'ai un ventilo, mais il souffle pas assez. Petition, no du coup, je trouve que ça, c'est plus efficace. Salut à toi, hurleur de mort libre. Escalpac. Et non, je refuse ton pack de non-agression.
The Righteous Hammer of Sigma. Oh, ça y est, on retourne au positif. I am ready. Are you? Ça y est, l'argent affût. Alors, il faudrait que je spot par ici. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des armées dans la zone? Parce que j'aimerais récupérer le fort. Oui, le fort, évidemment. Oh, c'est trop bien. I am prince and emperor. Ready. Let's go. Bring me to my men. Merde, il va y avoir quand même une rébellion. Bon, c'est pas grave. Avec de la chance, je vais pouvoir la récupérer avant lui. I command here. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là en embuscade. Et bah écoutez, on va essayer de reconstruire tout ça hein, petit à petit. Ici, c'est pas trop ma zone, le poste, donc bon. Protector of the realm. Est-ce qu'il a vraiment besoin que je l'aide, lui? Parce que bon. C'est pas que, mais c'est vrai que couronne appartenant à l'Empire, c'est une façon de changer un peu les mœurs là-bas, quoi, hein, non? Est-ce qu'on n'y verrait pas une occasion de poser un peu pour Sigmar, bien sûr, toujours dans cette ville, au doux nom de couronne. Très bonne question. Bon, lui va probablement vouloir arriver. Ah non. Ici on défend comme on peut. Ouais, alors il faudrait que je dépense, mais attention, doucement, doucement. Hein. Ne précipitons pas. Alors, par exemple, ici c'est vrai que ça a l'air intéressant et rentable. Donc, on va le faire. Je ne crois pas qu'il y ait de chaos ici. Et du coup, on régène très très bien. On va aller jusqu'à Middenheim, bien sûr. Karls va rester ici. Bon, on va continuer encore un tour. Hein. De toute façon, on est à 1h44. On n'est plus à ça près, hein, je crois. On est tué, Volkmar. Volkmar, va falloir te préparer à recevoir nos invités qui vont pas tarder à arriver. Hein. C'est-à-dire de nouveau des serviteurs. Blessings of Sigmar upon you. I will cast out all evil. Sigmar watches over me. Pick up the pace. The instrument of Sigmar. Eh bah parfait. Will. Knowledge is power. On peut investir dans pas mal de trucs, c'est cool. Ici le vin. Mais alors ici du coup et de nouveau l'économie. Après je suis pas pressé ça parce que c'est pas brut. Faut les avoir au maximum pour que ça devienne intéressant. Ici, ça peut être bien. Le problème, c'est que au niveau du chaos, bah, on va voir de toute façon si c'est terminé ou pas. Pour l'instant, on nous dit qu'il reste des armées. Je ne sais pas encore où les situer, mais il y a des armées. Voilà. Seek out the heretics. On va faire petite fin de tour. Ici, on va forcément monter la croissance. Oui, on pourrait se prêter à l'envie de monter cette ville, Bechafen. Ici, je n'y toucherai pas. On va avoir une rébellion et on va essayer. Ah, c'est dommage. Avec lui, mais ouais, mais le problème, c'est que j'ai envie de capturer le plus vite possible. C'est ça le truc.
Dommage, il va y avoir une rébellion. How should we proceed? On est en positif. Peut-être qu'avec Raoul, je devrais réduire un peu son armée. Au niveau des albardiers, par exemple. Ça coûterait un peu moins cher. Bah, c'est 8% de revenus. Donc, si tu cherches à augmenter juste tes revenus, simplement, oui. Et 8% sur toute la province, je crois. Donc, imaginons, j'en cumule 3. A priori, j'ai 8, 16, 24%. Bah, je crois, hein, moi, je suis parti du principe que ça se cumule. Je vois pas pourquoi ça se cumulerait pas. Hein. On dit bien que... Par exemple, on te dit que les bâtiments militaires, bah en gros, bah si t'en as déjà fait un, on te dit de pas le refaire. Alliance défensive. Ouais. Très bien, je veux bien m'allier aux momies. Allez, si j'arrive à avoir Talabaim, je suis bien. J'avoue que j'hésite à aider Couronne. Hein. Bon, par contre, lui, c'est vite refait quand même. Hein. On va laisser comme ça, parce que pour l'instant, ça empêchera le nain de capturer correctement ici, mais... On va lui dire doucement. Qui se lève, c'est pas un... J'ai pas un grand intérêt à avoir qui se lève, je m'en fous un peu. Dans les comptes électeurs, ça compte pas, normalement. Ah ouais, on gagne de plus en plus. C'est trop bien. Donc là, en gros, je lui dis à lui d'aller fouiller. S'il me dit qu'il n'y a rien dedans, enfin, ou même une petite armée. Je veux même bien qu'il y ait une armée, d'ailleurs. Donc je vais me mettre en campement. Donc il reste une armée du chaos dans la zone, là. Mais on va essayer de se défendre contre. J'espère que ça va l'attirer. Ouais, on est d'accord, hein. Qui se lève. The fuck. L'image est moche. C'est ça, hein. J'ai pas qui se lève, hein. Qui se lève, ça compte pas. Là-bas, là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais y a pas qui se lève. Y a pas. Donc moi, ce que je veux, c'est le domaine des humains. Et qui se lève, c'est des humains. Oui. Oui, parfaitement. Mais ce sont d'anciens Norska, donc je ne peux leur faire confiance. Yes. To unite the powers. Is it time? Mais voilà, ils l'ont repoussé au final. Vous voyez, ils ont su faire tout seul, comme des grands. Tout ça, c'est pas beau. Ouais, bah je pense que je peux m'arrêter là. Hein. Là, il y aura plus grand chose. Ouais. On va faire, c'est que sur YouTube, on va s'arrêter. On va voir ce qui reste. C'est quoi les conditions de victoire? C'est ouais, c'est de posséder plus ou moins tout ça. Bah, le dernier épisode, ça sera peut-être de la capture. Genre de choses, on verra bien. Puis on verra par la suite. Allez, du coup, je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.